Alexandre Mijatovic, sculpteur de Saint-Maur. Voilà, mon atelier est à Saint-Maur et j'expose régulièrement dans le Val-de-Marne et notamment à Saint-Maur. Nicole Elcol, je suis artiste peintre et j'expose également au Salon des artistes du Val-de-Marne dont j'ai été présidente et je suis actuellement présidente honoraire. D'autre part, j'ai beaucoup travaillé sur les paysages du bord de Marne. Ensuite, vous trouverez certainement aussi dans les thèmes que j'aborde aussi Paris et puis les voyages. C'est les trois thèmes que j'ai réunis ici dans ce lieu pour être en représentation et accompagner Alexandre. C'est une exposition à deux. Nicole qui est venue avec son univers et mes personnages. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus de 70 sculptures. C'est le même personnage, en fait, cette fragilité, c'est un grand rêveur en fait, qui se décline. Enfin, pareil, avec différents univers, au rez-de-chaussée, il y a les bronzes, au premier, il y a tous les bons hommes qui se côtoient. Et au deuxième, c'est plus ce que j'appelle des lunes, voilà, des têtes lunaires qui accompagnent le travail de Nicole. Et il y a une partie voilà, où j'ai amené mes pièces les plus anciennes de mes débuts. J'ai reproduit un peu mon atelier. Donc, l'événement commence aujourd'hui, le samedi 20 janvier. Il sera ouvert jusqu'au dimanche 4 février. Ouvert du mardi au dimanche, 14h-18h. Et tout au long de ces 15 jours, il y aura des événements organisés. Donc, il y aura des nocturnes le jeudi soir à partir de 18h. Et le samedi dimanche, il y aura des visites guidées. Et il y aura des rencontres avec les artistes où on parlera de notre travail. Donc nous invitons à venir visiter cette Villa Médicis remplie d'œuvres de Nicole et de moi-même sur trois étages.